j'ai pas eu l'occasion. C'est juste pour tester. Salut tout le monde. Bon, ben, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Ouais. Ok. De toute façon, s'il y a un souci sur la grille, on fera un restart warm-up une fois. D'accord. Pour laisser les gens revenir. Donc, sur la grille, c'est vraiment le côté on se met en grille. Hein. Une fois que le verre est passé, il n'y aura pas de restart. Hein. Et on fera qu'un restart. Allez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Luc Dersin. Alors aujourd'hui, on est parti pour le championnat Alpine A110 Cup. Pour le moment, on est en practice. Comme vous pouvez le voir, il y a encore 30 minutes de practice. Ensuite, il y aura 10 minutes de qualif et la course partira seulement. Course de 30 minutes. Donc voilà, c'est la première fois avec cette voiture, tout le monde est un peu impatient de jouer avec et de faire une course avec. On verra ce que ça va donner, on va essayer de se faire plaisir au maximum. Parce que vous le verrez, cette voiture est très 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 intéressante. Alors je vais peut-être vous montrer un petit peu le skin de la voiture en attendant. Voilà la voiture. Donc Alpine Cup A110. Je crois qu'on est aux alentours de 287 chevaux. Assez fun à piloter. Très très bon mode. Réalisé et utilisé par la Gentleman Racer. Pour ce championnat assez particulier, donc 4 circuits, 2 manches d'une demi-heure sur chaque circuit avec une qualif de 10 minutes avant. Donc voilà, on va aller se faire plaisir avec cette petite team sur ce circuit. Donc pour le moment, comme on est en practice, vous allez entendre certainement des choses dans le casque. Ok, on verra bien ce que ça donne. On va s'amuser, on sera 40 pilotes normalement sur le circuit. Voilà, dans l'intervalle. Il restera quand même presque 3 semaines pour s'entraîner, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème majeur. Voilà. Toujours pareil, système de précale, 7 tours consécutifs réguliers pour chaque manche. Très régulier. C'est pas le chrono qui fait foi hein, au sens vitesse, hein, c'est la régularité. Donc, si vous roulez une seconde moins vite que le Poleman, c'est pas un problème, c'est pas un drame. Si c'est 2 secondes, c'est pareil, c'est pas un drame non plus. Bon, bah, je risque rien parce que je serai à 5 ou 6 secondes. Et si vous battez maths sur la course, c'est pas un drame non plus. Non, vous serez pénalisé, c'est tout, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai. Au contraire. Ça fait partie du jeu. Bonne petite bagarre propre. Salut, c'est Lionel. Salut Lionel. Salut Lionel. Bonjour. Bon, on va arriver. Ouais, crocodile. C'est ça. Et celui qui attrape le crocodile marque 10 points en plus. Allez, on va rouler un petit peu. Que vous voyez un petit peu cette Alpine, est-ce qu'elle vaut en course ?
Salut Crazy, merci d'être passé. Ah non, elle est pas mal, c'est un beau petit joujou. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec. Même si pour moi le circuit de Spa un peu grand pour elle, mais c'est top.
Ou un peu large. Cette voiture, c'est un plaisir, elle donne envie d'attaquer. On va être 40, il va y avoir du monde sur la piste. That was a 230.52. Pour le moment, on fait le 12e temps sur 29. Il reste 18 minutes de practice. Voilà Mad King qui est le régulateur du serveur et du Discord. On a Alex avec qui on s'est bien amusé la dernière fois. On se sentait un peu lent. Puis il y a beaucoup de pilotes qui vont tourner en 1.32. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner. Et il manque tous les bons pilotes qui roulent, regardez, en 2.28, c'est quand même fameux. Ouais, ça va, je me plains pas, on est là pour s'amuser. J'espère que Fana, ça va aller. Son PC. Il y a pas mal de pilotes qui sont en train de rentrer maintenant. Ouais, ouais, Gentleman Racer, ouais, c'est un gros niveau, ouais, ouais. Ça roule propre aussi. On est obligé de faire 7 tours chrono dans la même seconde et régulier pour pouvoir participer au serveur. Donc, ils ont pas mal d'attentes venant des potes de la part des pilotes. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, on a des pilotes qui maîtrisent le circuit. Et je vous le dis, en session d'entraînement, on doit valider 7 tours réguliers dans la même seconde pour pouvoir participer à la course. Donc, ça élimine pas mal de pilotes qui sont inscrits. Ouais, j'ai eu des problèmes avec mon volant Fanatec là, lors de la course sur iRacing, là où j'ai terminé deuxième. J'ai mon volant qui a totalement bugué, j'arrivais plus à passer les vitesses. J'ai dû le débrancher et le rebrancher pour que ça se passe bien. Une fois que je l'ai rebranché, ben c'est parti. Donc voilà, c'est la première chez eux, on va se marrer, surtout prendre du plaisir. Je m'étais battu avec Alex la dernière fois en course, on s'était bien marré tous les deux, on avait fait des beaux duels, on était côte à côte pendant un gros tiers du circuit. Bonsoir. Ouais, Fana est dans la session, c'est bien, j'espère que ça va aller pour lui. Ouais, ben, c'est arrivé après le ravitaillement, sur la dernière vidéo iRacing. Après le ravitaillement, je me recolle au premier suite à un excellent pit, et puis j'ai mon volant qui a lâché. J'ai dû le déconnecter et le rebrancher en pleine course. Heureusement que j'ai le quick release, donc voilà, ça a pu fonctionner et j'ai pu terminer ma course. Ça m'a un peu frustré, mais bon, une deuxième place, c'est pas mal. Et puis j'étais un petit peu court pétrole en fin de course, donc j'ai dû économiser un petit peu.
Façon, on va voir ce que ça va donner en qualif, puisqu'il y a pas mal d'aspi hein, sur ces voitures. Ok, les consignes de course. Le qualif d'abord. Dès que vous chopez l'aspi de quelqu'un, vous devenez une fusée. Enfin, Crazy, ça fait quand même celui-là, ça fait. Mais par contre, on met pas les 4 roues dans la zone verte. Un bout de temps que je l'ai, et je pense qu'il a des heures et des heures de vol au compteur, et je pense qu'il commence à avoir quelques petites faiblesses. Le rayon, bah, si vous sentez que vous avez coupé un mot, levez un peu et remettez, et puis voilà. Si vous restez soudé et que vous avez bien mangé sur le haut, même avec un petit peu de roue sur le haut du vibreur, ça passera pas. Hein. Il est rodé. Hein. Première information, j'en redonnerai au warm-up. C'est même plus que rodé ce volant. La course fait 30 minutes. Le tour de formation est fait avant la course. Donc pensez à mettre du carburant pour le tour de formation. Il n'est pas compris dans les 30 minutes. Alors, au cas où, c'est dommage de tomber en panne d'essence à 200 mètres de la ligne. C'est déjà arrivé à certains. Pas en fait, quand il y a un tour de plus à faire, il est long. Donc pensez-y, le tour de formation est à ajouter au niveau carburant en plus des 30 minutes de course. Le départ donc sera un départ arrêté après le tour de formation. Dès qu'il va y avoir le petit message dans le chat, il y a peut-être des pilotes qui sont pas habitués en fonction de qui va être le poleman et ceux qui sont seront devant. C'est bien, regardez le chat qui vous dit démarrage du tour de formation et démarrer rapidement. Alors, ça ne veut pas dire vite, hein, c'est juste démarrer, couper la ligne. Parce que si vous ne le faites pas, il va considérer que le tour de formation est annulé, il va faire le départ direct. Ça risque de mettre du bazar. On a eu le cas mardi, on a fait les tests après. En fait, ça fonctionne très bien, c'est juste qu'on n'était pas parti assez promptement quand il a dit de commencer à démarrer le tour de formation. Tout à l'heure, mais c'est important à savoir pour le départ. Le tour de formation, on le fera en laissant de la place hein, à droite et à gauche. Parce qu'il y en a qui vont chauffer les pneus, qui vont zigzaguer, etc. C'est à faire à une allure raisonnable, mais pas ni à fond ni arrêté. Quand vous arriverez sur la grille, vous verrez un emplacement en rouge, un carré rouge avec une flèche qui se met. Place où vous devez aller, vous y mettez, et puis vous serez stationné dessus et pas disparaître, c'est que vous êtes bien placé. Dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à vous placer correctement, au bout d'un certain temps, le jeu va vous replacer tout seul correctement sur votre place, juste avant le départ. Donc, si votre voiture bouge juste avant le départ, c'est que le jeu vous a replacé tout seul. Bataille en piste pendant le warm. J'avais des précisions, hein. Patrice, Tédan, Lionel, j'aurais oublié, n'hésitez pas. Ouais. Merci.
là on fait qualif, warm-up 10 minutes, 30 minutes de course. That was a et après on fait qualif, warm-up. La manche est en deux courses. Voilà, n'en partez pas tout de suite. Il y a moyen de se reperdre. Pas de pipi. Bon, il y aura 10 minutes de warm-up pour aller au toilette. Pour tout le monde, donc faites comme vous voulez. Moi je me sers de ma pédale, même s'il est en automatique. Ok. Parce que j'en ai une. Mais comme vous voulez. Vous pouvez pas caler. En fait, un virage automatique, c'est que vous pouvez pas caler. Ouais, mais je veux dire, c'est autorisé quoi. Ah oui, puisqu'on l'a mis sur le serveur, oui. Ok. Sinon, on l'aurait enlevé du serveur. Non, ouais, tout ce qui est valide au niveau serveur, vous pouvez. C'est fait exprès. La voiture à l'ABS, l'anti-patinage. L'anticalage, donc le clutch, on l'a mis parce que ça, tout le monde n'a pas une pédale d'embrayage ou n'a pas envie de mettre un bouton pour simuler un embrayage. Donc ça, on l'a laissé comme ça. C'est plus facile pour tout le monde, on va dire. Ça évite de caler aussi. Pour la bac à gravier. Question, Mad. Pendant les qualifs, on a le droit de faire les chats ou pas? Oui. Bon, c'est ce que vous voulez. Ok. En plus, c'est un private. Donc, pas d'incidence par rapport aux autres pilotes autour, en tout cas. Il n'y aura pas de danger, donc. Pas de soucis là-dessus. J'ai une petite question. Tu disais qu'en course, en tout cas pour. Salut Franck! Pullman, ce sera pas moi, donc ça tombe bien. Il y aura un message dans le chat. Est-ce qu'il y aura d'autres messages dans le chat qui sont susceptibles d'apparaître? Parce que moi, je le vois pas quand je roule le chat, mais je sais pas comment. Mais tout seul en fait, il y a un message qui s'affiche. D'accord, ok. À gauche, il est en par défaut, complètement à gauche. Ok, et du coup, moi je suis en train de screen, il est après. Après, si vous voulez, si ça aide, je pourrais donner juste l'instruction que. Si ça vous aide, je peux le faire, comme ça, ça fera. Mais voilà. De toute façon, le truc que j'ai pas dit, pendant la qualification, aucun micro ouvert. Et la course. On va après, mais c'est... Et voilà. La raison, c'est qu'on n'a pas envie d'entendre les palettes de chacun pendant qu'on roule. Et encore moins, c'est les gens qui râlent parce que soit ils se sont sortis tout seuls, soit ils se sont fait sortir. Voilà. En qualif, c'est pas notre problème. En course, ça deviendra celui des autres. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, mutez vos micros. Soit vous avez une touche sur le micro, soit vous avez mis la touche to talk. Moi, j'appuie sur un bouton pour parler, là. Ça marche très très bien, sur Discord. Sinon, on sera moins tolérant la prochaine fois et on forcera le push-to-talk, même en practice. Donc, pensez-y. Et quand vous avez fini votre qualif, laissez finir la session. Pas besoin de commentaires avant la fin de la session. Et après, on félicitera les plus rapides et ceux qui ont fait une qualif et qui ont réussi à boucler les tours aussi, parce que même ceux qui sont derrière, il y a des mérites à faire des tours. Mais on le fera ça quand la session de warm-up sera affichée. D'accord ? Tant qu'il y a marqué qualif, silence radio complet. Les orgas peuvent prendre la parole s'il y a un incident ou un truc particulier. En général, c'est micro ouvert ou un truc comme ça. Voilà. Donc pensez-y, on... il n'y a pas de souci à discuter pendant practice et warm-up, poser des questions, discuter, échanger. Bon, en général, on évite de parler hors sujet, de parler de sa journée de boulot. C'est plutôt autour de ce qu'on est en train de faire en direct, on préfère. Si vous avez un problème, aucun souci, vous en parlez, mais c'est hors qualif et hors course. D'accord ? Ok. Ok. C'est... Bon. Parce que c'est dérangeant, tout simplement, parce que ça perturbe. On entend un son, ça déconcentre, ça agace. Voilà.
s'imagine qu'on est tout seul dans sa voiture avec son ingénieur qui nous casse les oreilles et pas les autres pilotes. Bon, je l'ai mis dans le congélateur là. Calif dans 5 minutes. Mm-hmm. Pareil, stratégie Calif. Vous utilisez 47 up si vous voulez, vous videz les réservoirs si vous voulez. C'est libre. C'est combien, 10 minutes t'as dit? C'est 10 minutes, oui. Et nombre de tours illimité. Oui, il y a un troll dans le chat. Très vite. Désolé, je resserre un peu mon volant. Voilà. Ce qui compte, c'est les autres comptent pas. Si tu as blasé espagnol, tu peux y aller. C'est open bar ce soir. On a droit à l'erreur, c'est bien. Ouais. Malheureusement, je blasse pas espagnol. Allez, on va voir ce que ça va donner. Hein. Se faire plaisir avant tout. On est 14e, on est en plein milieu. En plein milieu. Il y a Cyril, ouais. Cyril est présent. Ah, voilà, 2,26 le garçon. Facile. Ah, c'est du portugais. Merci. De rien. Ah, Cyril, c'est une fusée. Est-ce qu'on a parmi nous le vrai pilote? Je vais regarder les noms. Oui, normalement, mais pas sous son vrai nom, puisqu'il roule sur une machine qui n'est pas la sienne. Parce ah, qu'il, oui. Il a eu des problèmes techniques. Et je pense qu'il n'a pas de micro en plus. Donc, Du coup, c'est moi. C'est l'homme inconnu. C'est un vrai, vrai pilote. Ah, il est plus que bon, hein. Ah pardon, excuse-moi. Je suis confondu. C'est un vrai pilote, hein, lui, non, Crazy Cyril. Il est pilote IRL, hein, non? Cyril, c'est indécent la seconde que tu nous mets. Dis-moi que t'as pris l'aspiration pour faire ce chrono. S'il te plaît. Je pense que Cyril, il est pilote IRL. Ouf, j'ai vraiment eu l'impression toute ma vie, là. Vous verrez que la spi... la spi est énorme, hein, sur sa voiture. Ça va être tendu, hein, parce qu'avec les aspirations... On a vu ça hier, c'était incroyable. Ah, ouais, les aspirations sur sa voiture vont être énormes, ça va être impossible de s'échapper. Ouais. Ou de distancer, que tu sois dans le peloton, ou devant, ou derrière. Tout se fera dans le dernier tour. Ouais, c'est ça, ben, Astia. Ah, c'est des voitures. Après, je muterai les autres dans le micro, c'est pour entendre les consignes de course comme on a eu. Après, vous verrez dans la course, l'aspiration est énorme, hein, sur ces voitures, donc ça va être très très difficile. Très très difficile de s'échapper. Et à mon avis, le close racing, tout le monde n'est pas habitué à ça, donc il risque d'avoir quelques crashs. J'ai Arthur là qui est bien équipé, donc je suis pas très agréé à tout ça, mais je vais essayer de faire de mon. Juste pour mon info là, pour les qualifs, on, je suppose qu'à la fin, là, dans 30 secondes, dans 37 secondes, il faut se mettre sur quelque chose de particulier ou ça va se mettre direct? Non, non, il n'y a rien à faire de spécial. Il faut éviter juste de parler pendant les qualifs, c'est tout. Faut que les micros soient actifs pendant les qualifs, mais voilà, c'est tout. Rien de spécial, elles sont libres les qualifs, elles sont en privé.
D'accord. Donc il n'y a pas de risque de collision en piste et ne pas parler avant qu'on soit passé en session de warm-up. Très bien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Super. Et stratégie libre, on peut faire échappe, hein, c'est pas un souci. D'accord, ça dure 10 minutes, c'est ça. 10 minutes, ouais, par contre. C'est, on se met dans le canal course après, madame, c'est ça? Ouais, si vous voulez, warm-up, ou... c'est pas obligatoire, hein, mais bon. Si vous voulez pas être embêté, c'est sûr que vous serez moins embêté au canal course. Voilà, un qualif. Ouais, je crois que c'est. Donc, silence radio, s'il vous plaît. Je crois que c'est un pilote IRL, de toute façon. Bonne qualif à tous. Bonne qualif. Bonne qualif. Bonne qualif, les gars. Et voilà. On va bientôt partir en mode qualif. J'espère que le serveur va pas bugger. Ah, il y a deux pilotes en 26, hein, ça roule. Hein. Ah, nous, on est à combien? On est à 4 secondes. Ah, les autres derrière, sont certains, sont à plus de 8 secondes. Hein. Voilà, je suis 15e sur 32 pilotes. Fanatic est loin. Je pensais me battre avec lui, mais il est un peu plus loin, mon abonné. Et moi, je me battais déjà avec Alex Bailly la première fois, mais regardez, le père se reconstitue, et à mon avis, je vais me battre toute la course avec lui. Si on se fait pas accrocher. Allez, on est parti. En mode qualif. Pas de pression. On s'amuse. On prend du plaisir avec cette Alpine. L'Alpine qui consomme, hein. Il n'y a pas de souci, elle consomme pas mal. On va regarder un petit peu au niveau des freins. Ah ouais, il va y avoir de la bagarre. Hein. Et en partant en 15e, c'est clair et net qu'il va y en avoir. Allez, on est parti. 10 minutes qualif. Allez, merci Crazy, à bientôt. Fais un bon dodo, et bonne journée de travail demain. Grand merci d'être passé. Le circuit a l'air pas gommé. Ouais, bonne soirée, bonne nuit. À bientôt quand tu veux.
On respecte bien les lignes. Allez, 2.29.2. Je fais mon meilleur temps lors de la qualif, c'est plutôt pas mal. Nous sommes presque 17e. Hein. On va faire escape, ça sert à rien, tour là est pourri. C'est dingue, on est que 18ème. Il reste combien de temps? 2 minutes, on n'aura pas assez, ça sert à rien. Parce qu'on fait un tour en 2 minutes 30. Le 19ème. Il va y avoir des grosses différences de temps. Je vois plus Fana malheureusement dans le classement. Ah si, il est là. 27ème. Eh ben, il y a du niveau hein, dans le championnat. Regardez, il y a un gros gap derrière moi, il y a 5 dixièmes quasi.
Et Bruno Mas, plutôt bizarre qu'il soit derrière parce que c'est un excellent pilote. Il y en a qui n'ont pas muté leur micro. Bah, on sera dans le peloton, on va être dans la bagarre. Je vais devenir plus fanatique dans le classement. Un fanatique est de nouveau là. 34 en course exactement. Bien joué. Bien joué à tous. Bien joué à tous. Ouais, bravo. Bien joué. Mais quand même, c'est quand même. Bien joué les gars. Moi, j'ai eu un souci, je me suis fait disqualifier. J'ai pas compris. J'ai fait deux tours. Mon deuxième tour, je me suis loupé, donc j'ai voulu redémarrer. Je suis reparti des stands. J'ai fait mon premier tour de chauffe, et quand j'ai voulu redémarrer mon deuxième tour lancé, là j'étais disqualifié. T'es pas sorti au drapeau au feu rouge ? Au feu rouge, à mon avis. Ah, moi, je l'ai vu le feu rouge, et il y a du monde qui était déjà sorti, donc à mon avis. D'accord. Ouais. Ouais, vous êtes sorti avant que la session ait commencé, vous avez pris une pénalité sûrement, qui était affichée sûrement en haut à gauche, et pas effectuée au bout de 3 tours, vous êtes qualifié. Ouais. J'ai pas vu, donc du coup donc, je suis dernier, mais je peux démarrer la course quand même ou quoi? Oui. Bon, oui, la place c'est celle que le jeu va attribuer, donc sûrement oui, dernier, ouais, en théorie. D'accord. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. Ça va mieux la deuxième course. Ouais. Bon, t'as vu, je vais juste faire très vite, comme ça, ceux qui veulent aller aux toilettes après peuvent, et comme ça, on pourra changer de canal aussi sur Discord, si ceux qui veulent, faire des inconvénients.
Donc pour la course, j'ai donné la plupart des infos tout à l'heure. Donc tour de formation et départ raté. Tour de formation n'est pas inclus dans les 3 minutes, donc pensez au carburant supplémentaire pour le tour de formation. En course, bon, il va y avoir de la bagarre. Hein. On évite les contacts le plus possible. Des fois ça arrive, hein, un petit peu que ça frotte. Hein, okay. Quand on est en bagarre avec deux pilotes côte à côte, ben, on ne braque pas sur le petit copain à côté pour montrer qu'on est une voiture plus solide que l'autre, parce que ça va mal finir pour les deux. Donc on essaye d'arrondir un petit peu la trajectoire. Le but c'est pas d'ouvrir les portes sans arrêt, mais c'est d'être un peu intelligent. Pareil, pas de changement de ligne au freinage. Hein. Si le freinage est engagé, vous ne changez pas de trajectoire. Hein. C'est interdit. La ligne droite, si vous voulez casser la spie, c'est une fois. Donc vous avez le droit à un changement de ligne. Une fois que vous avez changé, c'est fini. Vous y restez jusqu'au freinage. D'accord. Donc c'est pas le zigzag sur la ligne droite pour casser l'aspiration tout le long. C'est pas comme ça que ça marche. Un changement de ligne autorisé. Et vous décidez quand vous le faites. C'est sûr, s'il y a quelqu'un à côté, il faut pas le faire. Voilà. Pas de changement de ligne au freinage. Je vais essayer de place. Ça va être fun. Plus on fait le tour côte à côte et plus on se bagarre, c'est mieux plutôt que de se retrouver dans le gravier au bout de virage. Assurez vos freinages sur les premiers tours. Les pneus sont froids, les freins sont pas chauds. Faites gaffe. Donc décalez-vous avant les premiers freinages si vous voulez. C'est juste pour éviter que si vous freinez un petit peu long, vous ayez poussé le gars de devant parce qu'il ne va pas apprécier. S'il y a un incident en piste, qui que ce soit, si vous êtes dehors, vous rentrez parallèle à la piste, hors trajectoire, vous faites attention. C'est votre faute, c'est votre faute, c'est pas grave. On gérera les incidents après la course via les replays. Donc le pilote qui a fait l'erreur, il continue à rouler. Il s'excusera sur le Discord après par écrit. D'accord. Et si vous avez après des soucis en piste, il y a un formulaire de réclamation qui est fait exprès, vous le remplissez et puis. Même si c'est pas vous qui êtes concerné, si vous voyez quelque chose, vous indiquez les infos qui sont demandées, le tour, etc. Donc on se fait pas vengeance en piste, ça sert à rien. J'allais dire, pas de vengeance. Parce que sinon vous allez prendre encore plus que celui qui vous a sorti la première fois. Parce que peut-être qu'il a pas fait exprès en plus et qu'il aura pas de pénalité. Voilà, on n'est jamais très lucide quand il y a des contacts. Des fois c'est de sa faute, des fois c'est même pas la faute de l'autre. Voilà, donc, on continue à rouler. Et si on s'est fait sortir, on repart, motivé. Un peu énervé, c'est sûr, mais on fait gaffe à revenir en piste proprement, hors trajectoire, parallèle à la piste, pas comme un fou furieux. S'il y a un suraccident parce qu'il y a un retour en piste dangereux, ben, malheureusement, celui qui fait le suraccident va prendre aussi une pénalité. Alors qu'à la base, c'était pas sa faute au départ. Mais voilà. Ça se verra sur les résultats de la course après, de toute façon, ce genre de problème. Voilà. Je libère le départ dans. De 6 minutes. Moi, je vais changer de canal Discord. On peut rester sur celui-là, hein, c'est pas un problème. Hein. Oui, si le bruit vous dérange pas, vous pouvez. Celui-là, il est pas contrôlé, alors que l'autre, il faut appuyer pour parler. Ah merde, tu vois, mais normalement, tout le monde entend tout l'autre, non ? Non, c'était pas le cas, j'entends déjà le bruit tout à l'heure, donc. Ok. Bon, ben, mon avis, entre Kemel et les pompes, premier tour, c'est du 8 de front, quoi. Si ça passe, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ouais, il faut rallumer le cerveau, c'est tout. Oui. Après, moi, ça me va. Hein. Il y en a qui dehors au premier virage, ça me fait gagner des places. Hein. Après, mieux vaut lever le pied que de casser par choc au premier tour, quoi. Ouais, ça va. Un spi et quatre places. Voilà, ouais, à mon avis, il va y avoir du trafic. Hein. Et voilà. J'ai fait mon premier tonneau. Tu l'as fait où? Secteur 3, je crois. Début de secteur 3. C'est dommage qu'il n'y ait pas de stream, parce qu'à mon avis, ça va être des courses de. Ça va être des courses de malade mental, ça. Il y aura un replay si vous voulez. Ouais. Moi j'ai un stream en ligne de mon pare-brise. Ouais, moi aussi sûrement, si ça marche bien. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, première course, après on verra la vidéo. Ouais.
lap was a 2:52.10. Bon, je change de canal. S'il y a des questions, ça sera sur l'autre canal. Si vous voyez que je fais un restart, c'est qu'il y aura un souci. Donc vous bougez pas, vous restez et ça sera une nouvelle procédure de départ. Allez, dans 2 minutes 23, on démarre. Il va y avoir de l'ambiance. Ça va être chaud, chaud, chaud les marrons. Le but, c'est de se faire plaisir. On sera parti pour une course de 30 minutes. Donc on va faire à peu près 12 à 13 tours. Je pars avec, normalement, si tout va bien, sans faire de bêtises, 66 litres. Si on fait tous les tours, bien sûr, si on se fait pas accrocher. Mais je pense qu'on a affaire à d'excellents pilotes ici. Et il devait pas trop y avoir de soucis avec ça. Je vais me muter ici aussi. Voilà, comme ça, j'entends pas. Et on va aller se marrer un petit peu. J'ai pas fait d'essai de départ arrêté à part ici. Je sais pas ce que mes départs valent. À mon avis, pas grand chose. Pas de ravitaillement. Donc il y a un tour de chauffe, bien chauffer la gomme et le frein. Ça va être très bien que Air Factor 2 prend en charge la chauffe de frein et la chauffe des pneus. Et ensuite, ben, on verra s'il y a des politesses devant. À mon avis, c'est une course où il va y avoir quand même pas mal de contacts. Je crois que pas mal de monde va être surpris par l'aspiration de ces voitures qui est énorme. Le but ici, c'est la première fois, c'est se faire plaisir, c'est prendre du plaisir avec cette voiture. Et après, ben on verra bien. Et de pas s'accrocher dès le premier tour pour être dans la bagarre. Thank you.
Allez, on va lancer la course. Putain, ça y est, il y a encore un bug. Hein. C'est grave. Ouais, il y a encore un bug. Je me suis fait déco. Mot de passe incorrect. C'est quand même grave qu'on doit à chaque fois faire ça. Je suis bloqué. Je sais plus rien faire. Voilà, tout le monde est parti. Je viens d'avoir un bug. Je viens d'avoir un bug. L'autre, si t'es pas un push to talk, tu peux pas le. C'est Hugues, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, bah. On essaie de voir ça pour la course 2, voir ce qui s'est passé. Ouais, ça m'a mis directement en éject, quitter le jeu ou retourner au menu principal. Ouais, j'ai vu que c'était mis à véhicule incorrect ou je ne sais quoi. T'avais fait toute la manip nécessaire pour le skin de toute façon. Ouais, ouais. Bon, on verra ça après. Je suis désolé. Ouais, c'est rien. Je vais me muter du chat, comme ça je dérange personne, voilà. Bon ben voilà, je peux pas participer à la première course, on s'est fait déconnecter. C'est pas la première fois que ça arrive avec ce serveur.
Fanaï dans la course, c'est bien. Moi, malheureusement, je me suis fait des cas. Donc, ça part tout droit, là. Péché. Ben, c'est comme ça, ça arrive, des décos. C'est pas la première fois que ce truc me le fait. Il y a de la bagarre hein, dans le paquet là. On va voir comment Fana se débrouille. Ça me ferait chier de pas faire la deuxième course. Voilà, j'aurais été dans l'un de ces pelotons en 19e position. Regardez comme c'est chaud. Quasiment trois de front là. Hop, un gros crash. Ouais, ça y va sur les bordures. Voilà, le premier, il y a beaucoup quand même de pilotes qui sont DNF, Cyril Chéry. À mon avis, je sais pas ce qui s'est passé pour Cyril, mais... Soit il a été déco, soit il s'est fait sortir. Parce qu'il était devant, il me semble.
C'est pas la première fois que ce serveur-là me fait une blague ainsi. J'ai déjà eu ça pendant la journée, pourtant j'ai chargé les skins correctement. Oula, ça sort large. Regardez, il y a trois de front ici, il y en a un derrière qui arrive, plein gaz à la spi. Il y a du spectacle là. Fait chier de pas être dans la course, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Un bug serveur. Je vais ressortir du serveur, je vais remettre dedans. Ça me fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Regardez, le serveur qui est totalement buggé et ça reste tout comme au début. J'ai pas compris la déco. Regardez, le temps que ça met pour charger les pilotes. Et ça me remet la course au début. C'est excellent. Ah, ça y est. Il y a des pilotes qui n'ont même pas mis leur livret. Me priver de spa, ça fait mal.
On va voir s'il va revenir à la spi. Je vous l'ai dit, sa voiture qui a une grosse, grosse, grosse aspi. Il est un peu loin pour revenir. Allez, il y a de la bagarre ici. C'est chaud. Ouh, il y a du contact. Ouais, ça c'était l'Alpine. Ça se bat. On s'est resté côte à côte dans les virages. Sans problème. Blanchiment à l'extérieur. Il va rester derrière, il a bien raison. On s'ajoute les coudes. Là, il est passé. On va voir la grosse bagarre ici à la sortie du Rédion. À côte à côte, 2 à 2 dans le Rédion, ça va être chaud là. Et ici avec la spi, regardez, ils vont être quasiment à 2 de front, voire un troisième qui se décale. Voilà, 3 de front. Il y a la spi là, vous pouvez rien faire, ils pouvaient perdre beaucoup beaucoup de place. Il y a de la bagarre dans ce paquet, ça se décale, ça se recroise. Ouh, ça sort large. Allez, encore 12 minutes. Ah, je vous jure, ça me fait mal au cœur de ne pas rouler sur cette manche.
Tout ça parce qu'on a été déconnecté de ce putain de serveur. C'est pas la première fois que j'ai un bug sur ce serveur. À chaque fois, ça me met le même message d'erreur. Pourtant, les skins sont bien chargés. Je suis rentré sur le serveur entraînement sans problème. Fana, il fait sa course tranquillou derrière. Ça sort l'arche là-bas.
Ouais, je suis triste de ne pas y participer. Il reste combien de temps là? 5 minutes. Parce qu'il y a de la bagarre. Ah ben, Fana s'est fait dégommer. Allez, on va mettre la bagarre pour la deuxième place.
Allez, ça va être parti pour le dernier tour. Je pense. Ouais, dernier tour. Il y a du contact. Voilà pourquoi il s'était laissé derrière tantôt pour avoir la spi dans le dernier tour. Il devra protéger à mon avis ici à la sortie du double gauche. Parce qu'ici il y a la longue ligne droite où il y a une spi, enfin longue. Il y a de la spi quand même, surtout qu'il sort un peu large, donc il va avoir protégé à se mettre à l'intérieur ici. Ouais, il va se mettre à l'intérieur, bien protégé. Voilà, il passe pas. Il faudra encore qu'il protège dans la ligne droite avec Blanchimon. Il y aura encore une possibilité pour le troisième de passer. Bien sortir du raccordement. Voilà, c'est ici que la spie est forte. Et il est repassé. Oh, il y a Fana qui est là-bas, il s'est arrêté. Je sais pas ce qu'il a eu. Il va le décroiser. On va avoir le freinage ici à l'intérieur, à l'extérieur. Ouh, il est large, il part en glisse. Et non, il fera troisième. Belle bagarre pour ce dernier tour. Et victoire de Ludovic devant Guillaume et Fan JPM. Fana il est 25ème. Je sais pas ce qu'il fait là-bas. Panne d'essence, je sais pas. À mon avis, il y a des bugs dans le serveur. On le met DNF, puis un coup 20. Je sais pas, c'est bizarre. J'espère que je vais pouvoir participer à la deuxième et aller me battre un petit peu sur ce circuit de Spa parce que ces voitures sont magiques. Et ça me fait bien chier.
mouvementée la course. C'est clair. Ouais. Bravo au podium, bravo Ludo. Bravo. Merci. Bravo les gars et bravo Guillaume. Merci. J'ai essayé de qu'on arrive à rattraper Ludovic, mais c'était pas possible. Ouais, vous m'avez cassé les bonbons, vous avez fait une course intelligente, là, ça me saoulait. Hein. Ah ouais, c'était bien joué, ouais. C'était bien joué de ta part. Je sais pas trop avant Blanchimont, là, mais la ligne droite des combes, c'était plus safe. Ouais, je pense que moi, j'aurais été toi, j'aurais fait Blanchimont. Aussi, ouais. Et après, comme on en avait pas du tout parlé avant, je voulais pas non plus que... Mais c'était super fun, puis bravo, et bon, j'ai essayé de passer sur les deux derniers tours, mais tu mérites clairement de faire deux. Bien joué. Et trois devant. Et belle fin de course avec David. Bon, le serveur va recharger tranquillement, hein, quand il aura décidé. Au bout de 2 minutes et quelques, on a laissé large pour pouvoir finir s'il y a des retardataires. Okay. A priori, il n'y en a pas. Plutôt une bonne nouvelle. Espérons que ça soit plutôt bien passé en piste. Ouais, c'est moi le dernier en piste. Et après moi, ils ont tous cassé quelque chose. Ouais. Vous m'entendez ? Vous m'entendez, oui. Les gars ? Oui. Oui. Ah, ok. Non, parce que je suis sur mon téléphone, j'ai perdu la connexion. Ah, merci. Ah, putain. Ouais, ouais, bah c'est dommage parce que putain, j'étais en train de marsouiller là, avec Ludo. C'est... Franchement, ouais. C'était super cool. Donc... Bah ouais, bah là, y a plus de connexion, donc bah écoute. Je crois qu'une fois que tu étais parti, Ludo, il s'est peut-être un peu ennuyé devant, quoi. Pas vraiment, il y a les Guillaume et Fun JPM qui m'ont mis la pression tout le long de la course, là, ils remontaient petit à petit, ça a été le temps de les garder derrière, ouais. À mon avis, c'est comme en NASCAR, yes. il devait drafter, puis il devait revenir méchant sur toi, je pense. Mais c'est ça, ils ont fait une course intelligente. Mais en plus, ils m'ont même pas demandé mon avis pour savoir si j'étais d'accord quand même. C'est pareil, les mecs autour de moi, c'est pareil, ils m'ont largué parce qu'ils faisaient du draft devant là. Après, je suis revenu au frame. Mais en tout cas, c'est bien dommage parce que franchement, c'est super cool. Hein. Putain, c'est de la bataille, c'est vraiment super cool quoi. Mm. Ouais, ça se joue à rien. Hein. J'ai doublé, j'ai redoublé, je vais faire doubler. Ça n'a pas arrêté. Ah bah ouais, c'est ça, de toute façon avec Ludo c'est ce qu'on faisait. Un tour c'était lui, un tour c'était moi. Il n'y a pas eu un Cyril qui a été disqualifié, parce que j'ai entendu mon crew chief qui m'a dit Cyril has been disqualified. Bah c'est disconnected, je pense. Ouais, c'est Cyril. Et disconnected, je pense. Pas disqualifié. Ouais, ah bah j'ai bien été disconnected, ouais. Je te confirme. Je te confirme et je te reconfirme. Bon, on est sur le serveur, ça recharge. On va se faire un petit break là de quelques minutes et on va repasser en qualif après. Donc, vous pouvez, on va dire, on se laisse 5 minutes et puis on repart. Impeccable, merci. À tout de suite. Moi, okay. je vais vous laisser, je vais libérer mon téléphone. Du coup. Ouais, désolé. Bah, il n'y a pas à être désolé, hein, c'est comme ça. Hein. Si tu veux que je dommage. Hein. On verra pour la prochaine. En tout cas, merci pour la soirée, les gars, c'était bien cool. Et puis, ben, je vous dis à bientôt, du coup. Ça marche. Ouais, merci, Cyril. À la prochaine. Bonne soirée. Allez, amusez-vous bien, les gars. Bonne soirée. Ciao. Salut. Il y a eu quelqu'un qui s'est fait éjecter, Hugues, je crois. Je me suis fait éjecter au début. Ouais. J'ai pas vu de message dans le chat, moi. Zéro message dans le chat. Donc, moi, je l'ai vu. J'ai vu une Alpine faire un tonneau. Je suis passé en dessous sans qu'elle me touche. Ça lui a encore mis le message. Mauvaise voiture. C'est ça, ouais. C'est qui l'a eu, donc Hugues. Ouais, j'ai pas... Pour éviter sur la deuxième course d'avoir le même désagrément, prends la voiture numéro 76 d'origine du jeu. D'accord. Ouais, je vais ressortir et je vais recharger. Ouais. Si t'es sur ancienne nuit, au pire, tu peux faire car select, mais je préfère que tu quittes et que tu choisisses... Ouais, ok, ça va, je viens de sortir. Ça sera mieux. Ouais, j'ai même pas eu... La 76, elle est libre. C'est celle d'origine du jeu, donc tu... D'accord. Tu vas l'avoir. Prends celle-là. Donc tu dois avoir le même problème qu'ont eu les deux autres pilotes. On a trouvé une alternative, mais voilà. 66, hein, c'est ça. J'ai pas vu le message dans le chat, j'ai regardé deux fois. J'ai eu. Ouais, il fallait me le dire. Ah ouais, je... C'est laquelle t'as dit aveugle. Je
pouvais pas savoir que t'étais aveugle. Et oui, oui. Ouais, c'est... Je suis pas très doué, hein. J'ai un fog réduit, tu vois. C'est laquelle, t'as dit le numéro? Non, non, j'ai juste un œil et j'ai fait scroller même mon chat et il m'a rien affiché. Alors je pense que c'est un truc. Ouais. Fallait jeter les deux. C'est lequel, le numéro de la voiture? Ouais, je te l'ai indiqué, Matt, mais je ne savais pas si tu as entendu ou pas. En audio? En audio, t'as appuyé sur un bouton pour parler? Oui, oui, oui. Oui. J'ai rien entendu du tout, moi. J'ai paramétré tout ça, mais juste au début, je sais pas. Si personne m'a entendu, c'est qu'il y a un souci au niveau. J'ai pas entendu du tout, ouais. Ouais. Ouais, moi non plus. Matt, c'est... J'étais super calme, j'ai regardé le chat, j'ai rien vu. Alors, au moment où je le regardais, alors, j'ai ouais, pas regardé trop tard, il l'a fait disparaître, mais... Matt, c'est quel numéro de la voiture? 76. Elle est bleue et orange, un petit peu le bleu alpine et orange. Celle d'origine du mode. On fera autrement. Hein, 76, ouais. Skin, je pense que je demanderai à Coche d'intégrer les voitures dans notre version du mode. Et puis voilà. Donc, je vais okay. Un petit message sur ça demain. 76, c'est bon, c'est chargé. Ah oui, 76, ouais. Ouais, c'est rien. Il n'y a pas de souci avec les numéros en français, il n'y a pas de problème. C'est les frites. Ça me manquait, ouais, cet accent. Et c'est les 70, 90 et... 70, 90. 70, 80, 90. Ah oui, elles 90, sont... Ouais. 80, il est comme nous. Hein. Ouais, 80, il est comme vous, ouais. Ouais, parce qu'on a un LGR à Tougic et qui est belge aussi, mais il n'est pas là ce soir. Ça va pas si vite, la cup pour lui. Ouais, le truc de fou, par contre, le baston... En tout cas, j'ai regardé la course et je l'ai streamé ouais. Comme ça. Et franchement, ça fait des top bagarres. Et c'était vraiment propre. Sur la caméra de Mad. Oh, truc de taré. J'ai cherché les bagarres à chaque fois. Il y en avait un peu à tous les étages. Et quand on arrive à 3 de front au comble, là-bas, c'est beau. Ça fait des belles images. Tu doubles le gars, tu sais qu'il va te la remettre après. Ouais, ouais. Et puis, j'ai regardé. Par 3 voitures, les 3 elles se sont mis à 3 de front devant moi. J'étais là en mode super. Et j'ai regardé la bagarre dans le dernier tour entre le deuxième et le troisième. Et il y a la spi joue énormément. Ouais, ouais. On va essayer de la calmer pour la prochaine. Ouais, c'est... Franchement, mais comme ça, ouais, en regardant l'extérieur, c'est fun. Elle t'aide à la faire. C'est pas un saut devant comme ça. Ouais, il a vidé quelque chose dans la voiture, il a levé le moteur. Je vais vérifier. Il est chaud bouillant. Juste le cendrier. Bon film. Allez, je passe en calif. On a le cendrier. Ah, c'est ça, c'est tout. Et la gourde. Ouais. Et la lucigare, c'est tout. Allez, cette fois-ci pour le deuxième manche, je vais pouvoir être là. C'est pas un bug. De ma part, ni une déco, c'est un bug serveur avec les skins. On va voir si ici ça va pas le faire. Allez, jusque là, ça a l'air d'être bon. On va rouler non pas avec ma skin, mais avec le skin d'une autre voiture. On va charger le setup. Ouais, un peu dommage pour la première, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. C'est un tout nouveau championnat. Vous avez vu sur les images, il y a de la baston. Et on va partir pour les qualifs. On va essayer de rouler safe. De se faire un truc cool et cette fois-ci de participer à la manche. Thank you.
là, ils sont au courant du bug, ils savent ce que c'est. Moi je leur en veux pas, c'est la première fois. Et R-Factor 2 est pas toujours facile au niveau des serveurs. Voilà, on va se faire plaisir dans la deuxième. J'espère qu'on sera un peu à la bagarre. That lap was a 2:30.46. Thank you.
Was a 230.05. Allez, ici on se met plein milieu peloton. Quinzième. J'espère que cette fois-ci on va pouvoir le prendre le départ. Voilà. Félicitations. Bravo, Ludo. Bien joué, Ludo. Si. Bien joué. Il va falloir se détendre. Ouais, je vais donner les consignes avant qu'on s'y remette. Il y a 10 minutes de warm-up, toujours. Ah, ça va permettre de prendre ses marques. Le gommage n'est pas le même que tout à l'heure, puisqu'on a moins roulé. Voilà, donc ça, c'est un peu plus glissant. Je pense que je l'ai remarqué en qualif, sûrement. On est chaud, on s'en a pris ses marques, sauf qu'on repart sur un tracé un peu moins gommé,
Et surtout, on fait attention toujours au premier tour, au copain autour, etc. D'accord ? Parce que c'est pas parce qu'on est en confiance maintenant que ça va bien se passer de suite dès le début de la course. Donc on fait attention à ce qui se passe autour au premier tour. On fait gaffe au freinage, toujours les freins froids, les pneus froids. Et on met pas des coups de volant sur les copains à côté. Quand ça s'est bien passé pour tout le monde sur la première course, ben on essaye de reproduire la même chose sans être plus agressif. S'il y a eu un peu trop de contact pour les autres, ben on réfléchit, on fait attention à y aller un petit peu moins. Et ça devrait mieux se passer sur la deuxième course. Voilà, c'est tout. Le reste, toujours pareil, tour de formation et départ arrêté. Et quand ça sera tour de formation dans le chat, ben démarrer, comme ça a été fait tout à l'heure, ça a marché parfaitement. C'est tout, je vous laisse. Et rendez-vous dans 9 minutes pour le départ. Merci. Merci, Mad. Thank you.
The lap was a 2:31.76. The lap was a 2:31.12. Allez, on va voir si on va pas avoir le même bug ici.
Ok, allez, on se met dans la course, cette fois-ci on est dedans. Allez, cette fois-ci, on est dans la course. On va s'amuser avec les petits copains. Allez, on est attentif. Par 15e, on fait attention à la source. Allez, feu rouge.
Prends pas un mauvais départ. Ouais, c'est plutôt propre. C'est parti, devant. On a bien géré ça. Ouais, ça se passe bien en courbe aussi. Alibaba qui a protégé. Ah, on est 14e. On a été touché, je crois. The lap was a 2:41.17. La spie est énorme, regardez derrière. Il va me décaler. Le Turc a fort bougé au freinage là.
lap was a 232.62. C'était chaud là! Alex qui est parti en tête à queue en plein rayon. Je l'avais laissé passer, il était plus rapide que moi. Malheureusement, il s'est loupé. On fait une course sage, c'est la première. J'appréhende la voiture. Was a 232.03.
That was a 2:31.67. That was a 2:31.30.
lap was a 2:32.4. That was a 2:30.13. Thank you.
was a 230.54. Moi, ouais, l'aspi est incroyable sur sa voiture, je le dépose, hein. Ici, rien à faire, il va me déposer à l'aspi. Voilà, il est à ma gauche. Chouette bagarre là avec Patrice.
was a 231.63. On lui a fait un sacré freinage. Parce que mon volant il bug ainsi. Thank you.
That lap was a 2:30.42. Dernier tour de cette course. On aura gagné deux places. On aura été safe. On aura une belle bagarre avec Patrice GR là. C'était super fun de rouler avec lui. Très très bon pilote. Très très respectueux. Je crois que j'ai été aussi respectueux envers lui. Ça se bat devant nous là. Je suis large. Ouais, P13 pour la première course, et bien sûr 34. On a été safe, on s'est bien battu là-bas avec Patrice. Donc ça part très large là devant. Boum, ça va se cogner. Voilà, on frappait douce. Ouais, belle course. Non, non, ce sera bien marré. On aurait été dans le top 12, dans le top 15 pour cette première course. Dommage qu'on n'a pas pu participer à la première, mais ça a été vraiment très, très cool. Que du plaisir avec cette voiture. Donc voilà, bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, je suis désolé pour la première course, mais malheureusement, c'est indépendant de ma volonté. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et on se retrouve pour la manche DTM, dimanche soir, 21h au poste. Allez, je vous dis ciao ciao à tous.